tu as entré, tu achètes le tapioca de 50, celui que de 25. N'oublie pas les arachides de 25. Je n'avais rien, c'est juste les 100 francs là que j'ai laissés. L'argent que j'ai, c'est pour me coiffer. Mais elle exagère. Longando, Bongosa, Longando, Bongosa. J'espère que vous êtes satisfait de votre travail. J'ai toujours entendu parler de Lisette Fashion. Merci vraiment. J'aime le décor, l'accueil. Et les filles sont bien vêties avec un sourire très jovial. Ok, merci madame, merci. Allô? Oui, allô? Oui, soulève le paillasson, les clés sont en bas du paillasson. J'ai dit en bas du paillasson, tu vas voir les clés là-bas. Ok. Ouais, madame, pour reprendre un coup de fou, vous avez besoin de tourner votre tête dans tous les sens. On est en train de travailler sur votre tête quand même. Je ne suis pas libre de répondre à mon coup de fil. Coiffe-moi, s'il te plaît. Et en plus, il y a d'autres clients ici comme vous. Vous indisposez les autres. Un appel, on n'a pas besoin de crier comme ça, c'est doucement. On va vous entendre, madame. Mais madame, ça fait trop de bruit comme ça. Je supporte pas ça. Hein. Je suis venue ici croyant que je venais me relaxer. J'ai mes problèmes personnels. C'est une des raisons pourquoi je suis ici. Les bruits par-ci, les bruits par-là. Mais je supporte pas ça, moi. Mais attends. Noëlla. Oui, ma. Pourquoi il y a trop de bruit comme ça? Demande à la cliente de parler à voix basse. Elle n'est pas la seule cliente ici au salon. Madame, c'est ce que je suis en train de faire depuis, mais elle ne m'écoute pas. Demande-lui de parler doucement, Noëlla. Oh. J'ai compris, madame. Madame, s'il vous plaît, il faut parler au téléphone doucement parce que la cliente d'à côté est en train de se plaindre. S'il vous plaît. Allô? Tu es entré, tu achètes le tapioca de 50, celui que de 25. N'oublie pas les arachides de 25. Je n'avais rien, c'est juste les 100 francs là que j'ai laissés. L'argent que j'ai, c'est pour me coiffer. Mais elle exagère. Trop de bruit, je ne supporte pas ça. Madame, laissez-moi, je vais aller ailleurs. Ça, c'est même pas ça. Ouais, madame, calmez-vous, non. Ce n'est pas de notre faute, madame. On lui a demandé de parler à voix basse. Elle ne veut pas comprendre, madame. Calmez-vous, asseyez-vous, madame. Je ne suis pas libre, maman. Et tu viens ici me coiffer. Maintenant, tu me donnes les ordres. Je ne dois pas répondre au téléphone. Coiffe-moi. Mais calme quoi. C'est Lisette coiffulaire ici. Avec tout le désordre qu'il y a. Je ne peux pas, maman. Je préfère aller. Avant de venir ici, j'avais d'abord mes problèmes personnels. C'est pourquoi je suis venue ici. Mais regarde, avec tout le décor, c'est bien beau. Mais attends, je ne peux pas. Je préfère partir ailleurs. Pardon. Comment m'oublier quoi. C'était bon, hein, maman. C'était bon, moi et pas. Madame, vous êtes contente maintenant. Pardon, ma coiffe-moi, pardon. Noëlla, ça c'est même quelle cliente, ça, non? Ça c'est même qui ça? Mais elle se prend même pour qui celle-là? C'est quelle histoire, ça? Ma fille vous demande depuis de vous calmer, vous ne voulez pas vous calmer. Vous, non, madame, sortez, on ne veut plus de vous ici au salon, c'est quoi? Je sors comment? Je suis venue me coiffer, non, madame? Vous ne vous coiffez plus, on ne veut plus vous coiffer. C'est quand même d'être chez le police, ça. Vous ne veut plus me coiffer que quoi? On ne vous allez me coiffer, je ne vous coiffe pas, madame, sortez. Ah, bah, William, mais non, ma soeur, tu vas me coiffer. Asseyez-vous, je vois, madame, sortez. Vous êtes mal poli, vous êtes mal élevé. Quand Dieu n'a pas de coiffer, elle ne veut pas mettre les gens mal à l'aise. Voilà une nouvelle cliente qui est entrée ici. C'est quoi? C'est la première fois que vous vous coiffez dans un salon de coiffure. Vous avez dit quoi? Mal élevé. Vous êtes mal élevé, madame. Vous devez parler à voix basse. Vous ne devez pas mettre mal à l'aise les clientes. Pour ta gouverne, on dit mal éduqué. Maman, quand tu as le salon de coiffure, tu penses que je suis arrivée. Moi, je suis libre de me coiffer. Maman, sortez, peux. Pardon. Vous êtes une cliente à problème. Sortez. Mais là, toi aussi, il faut apprendre à chercher les clients. Quand une cliente te dérange, demande-nous de sortir. Mais tu es là comment? Maman, t'as pas de le travail comment? Non, une cliente se comporte mal maintenant, c'est de ma faute. Pardon, va là-bas dedans. Bongo ça, Bongando.
Congo ça.